Le CIMIC, le Centre intégré de mécanique industrielle de La Chaudière, est un centre de formation unique qui intègre sous un même toit trois ordres d'enseignement, le secondaire professionnel, le collégial technique et le niveau universitaire. Le CIMIC, c'est également une école-usine avec une grande variété d'équipements, l'endroit idéal pour te préparer à entrer sur le marché du travail, un milieu de vie où tu pourras aussi participer aux diverses activités organisées par le conseil étudiant, pratiquer tes sports favoris et même t'entraîner dans une salle de musculation. C'est aussi un centre de recherche et d'innovation technologique. Le Cégep Beauce-Appalaches te permet aussi de poursuivre tes études dans deux programmes techniques offerts chez nous. Enfin, au niveau universitaire, tu pourras avoir accès à des cours de perfectionnement en génie mécanique ou à certains baccalauréats via le Centre universitaire des Appalaches. Mais le CIMIC, c'est surtout une équipe d'enseignants et un personnel dynamique, disponible et prêt à t'accompagner dans ta réussite. Au CIMIC, tu apprendras en travaillant et tu seras un employé recherché par les employeurs. Viens étudier chez nous, on t'attend. Moi, j'apprends à fabriquer, ajuster, monter et dépanner différents systèmes mécaniques. Moi, je veux devenir mécanicien industriel. En mécanique industrielle, tu apprendras à installer, dépanner, réparer, entretenir et modifier les systèmes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques. Tu as un bon esprit d'équipe, de la persévérance, de l'initiative et de la débrouillardise, tu aimes toucher à tout, c'est le programme idéal pour toi. Ce que j'apprécie dans le CIMIC, c'est la qualité d'enseignement et les équipements que je ne connaissais pas qui servent à notre formation. Avec ta formation, les ateliers de mécanique, les industries de production et les entreprises du domaine de la construction t'offriront de belles carrières. Tu veux être une personne clé dans l'entreprise? Tu le deviendras à la fin de ce programme. Ensemble, vers l'avenir.